Dans le cadre de Triangle Évangile, le projet est tout à fait à cette échelle-là, puisque on vise 1500 m² de serre installée en toiture, ces 1500 m² de serre seront destinés à environ 1500 personnes. La production qui sera issue de ces serres permettra d'alimenter un nombre de paniers suffisant justement pour ces 1500 personnes. Il y a différentes personnes qui seront à même de travailler dans cette serre. C'est 3 à 5 personnes. Alors au début, on se disait, bon, finalement, c'est peut-être pas énormément de personnes ramenées au mètre carré, surtout en ville. Maintenant, quand on ramène ça au niveau d'une agriculture classique, même, on va dire, intensive, même biologique, on s'aperçoit que 3 à 5 personnes pour 1500 m², c'est énormément plus que ce que vous rencontrez en plein champ ou même en serre. Il n'y a pas de secret, il n'y a aucune mécanisation, tout est fait à la main, donc ça demande nécessairement de la main d'œuvre. Notre mode de distribution va permettre aussi d'apporter d'apporter sa brique à la vie de quartier, parce que au début, on a réfléchi au mode de distribution qui sera de toute façon très court, et là pour le coup a priori devrait être direct, donc vraiment sans étape, sous forme d'une plateforme internet où on fait ses commandes, et sous forme de paniers qui seront déposés auprès de points relais du quartier, qui peuvent être des cafés, des restaurants, des associations, des gymnases, ou différentes institutions qu'il y a dans le quartier, ou un petit peu plus loin, mais à quelques centaines de mètres.